Tyranide contre Amaury, hein, du coup, pour cette finale de la Digicube. J'espère que vous êtes chaud ce soir. Parce que là, j'espère qu'on va voir du lourd. Est-ce que t'es chaud? Alors, moi je suis chaud, moi je suis très très chaud. T'es chaud? En tout cas, merci d'être venu aussi, hein, Davido, David, pour ce tournoi. Ne me diminue pas, s'il te plaît. Hein. Comment ça? Davido, déjà, tu me raccourcis de moitié. Moi qui suis pas très grand, c'est pas sympa ça. Je manquais un peu d'eau, tu vois, donc ça, ma parole s'arrête un petit peu. Tu te déshydrates? Oui, voilà, c'est ça. Mais écoute, c'était un plaisir, vous savez que... pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que j'ai relancé ma chaîne perso David de David il y a deux mois maintenant, comme je l'avais dit, à peu près 3-4 semaines après la fin d'HSFR. Je fais ça depuis la maison maintenant, avec des horaires beaucoup plus relax, mais j'avais vraiment eu envie de continuer à donner un coup de main à tous ceux qui me semblaient sympathiques et qui faisaient des choses, puisque avec HSFR on était au devant de la scène. Et ça n'a pas toujours été possible d'aider tout le monde et de travailler avec tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu envie de le faire. Et donc maintenant, ça me fait bien plaisir. Et puis toute l'équipe DigiWeb est vraiment hyper sympa et hyper pro. Et je pense, les gars, que vous avez des moyens d'aller très, très, très loin. J'ai envie de dire, DigiCup 2, c'est quand vous voulez. Ceci dit... Ah d'accord, ça c'est fait, c'est annoncé. Ah non, mais moi, c'est quand vous voulez, les gars, vraiment avec plaisir. Donc voilà, je regarde un petit peu. Est-ce que nos amis sont prêts? Ouais, ils viennent de l'entrée. Mais ils ont commencé en fait. Ils nous ont même pas attendu. À peine à l'instant, je crois. Donc, but sur le choix des cartes. Les malotrus. Alors, il y a Taruki qui te pose une question dans le chat. Est-ce que je vais poster d'autres matchs de la Digicup? Mais on va un petit peu voir au niveau de... Alors, des autres matchs, non, puisque moi j'avais eu. J'avais les games de Descartes, donc on va un petit peu voir ce qui va être fait. Maintenant, je sais que les VOD seront disponibles. Je sais que la VOD sera disponible sur votre chaîne. Oui, tout à fait. Voilà. Sur DigiWave. Exactement. Tout à fait. Alors, c'est parti. Voilà. Le paladin contre le paladin. Donc, le paladin a gagné. Donc là, Prince Tyranide va gagner la première. Je déconne. Hein. Direct. Les prévisions, hein. Voilà. Ah ben David le Poulpe est en forme aujourd'hui. Ceci dit, il y a eu de la fameuse accélération. Hein. Il faudrait quand même voir ce que ça va donner. Se peut que tout simplement Amaury passe au travers et ne se préoccupe pas ou peu de ce qui va se passer, mais on va voir. Moi j'ai un petit bug au niveau du spec. Je vois le Dr Boom à 0 de mana. Voilà. Ah sinon c'est pas le cas, je te rassure. Ah, d'accord. J'ai eu peur soudain. Et il pourrait le poser là du coup avec son Innerve. Qui serait pas mal, je pense, pour calmer un petit peu Tyranide. Alors, on me demande sur le live, tiens, petite question technique, il n'y a pas de delay sur le match, donc ça veut dire qu'on fait confiance aux joueurs. Oui, on espère que les joueurs ne vont pas streamhack. Et ça, c'est de l'accélération, monsieur et dame. Ça, c'est de l'accélération douloureuse. Tout à fait. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'ambiance est bon enfant, on est sur un stream... Sympathique. Dites-moi un peu sur le chat si vous passez un bon moment aussi. Moi, je m'éclate. Franchement, ça faisait un bon moment que j'avais pas pu participer à un tournoi aussi relaxoïde. Ah oui, c'est relaxoïde, c'est peinard. J'espère que vous amusez bien aussi. Ouais. C'était très sympa, en tout cas, les premiers dimanches aussi. On a pu voir les joueurs avancer, en fait, un petit peu du début jusqu'à la finale. Tyranide, surtout. Bon, Amaury qui vient... Il était récupéré, hein, du coup, sur cette demi-finale. Ok. Alors moi, je te cache pas que c'est la première fois que je commente un tournoi Hearthstone. Et donc, c'était la première fois pour moi. C'était ta première fois? Oui, tout à fait. Et ça s'est bien passé. Ouais, je pense aussi. Oh. Ah, les petits booms qui n'ont pas été géniaux. Hein. N'empêche. Ici. Colère qui finit le boulot. Et ça cligne pas mal, hein. Ça cligne pas mal. Mais ici, Amaury, oui. Je pense, a bien, bien géré le truc. Tout à fait. Là, la main de Tyranide. Ouh là là. C'est un petit peu dur pour lui. L'esprit combatif ici, une 2-2. Ah. Ne pas trop faire la différence. Et le tour prochain, c'est l'ancien du savoir. Et comme je te disais, il se peut qu'Amaury se contente de passer au travers ici. Oui. Et ceci dit, quand tu vois ce que Prince Tyranide a dans la main, c'est dramatique, hein. Oui.
C'est fort, c'est fort. Et là, on ne se pose aucune question, hein. C'est Druide de la Griffe, on va chercher la combo. Le Druide de la Griffe, moi. L'ancien du savoir, et on va chercher la combo, et on pêche, La hein. carte. Et tu casses, hein. Et tu vas mettre tes dégâts avec ta 5-5 ou pas, je ne sais pas, à voir. Alors, elle va se faire repentir ici. Oui, c'est ça. Oui. Tomber un point de Oui, mais enfin, vie. il a Je quand la même piocherai. avancé. Oui, tout à fait. Ça le remet un peu, évidemment, puisque du coup. Esprit combatif qui ne va pas tant faire la différence tant que ça, Non. puisqu'il était obligé de trader Dr. Boom et l'ancien. Il a un régiment de bataille. Est-ce qu'il va le jouer maintenant ou est-ce qu'il attend le tour prochain pour faire directement la combo? Je veux pas dire, mais dès que la combo sort, c'est fini, hein. Il sort l'intendant dès maintenant. Il va avoir un board assez fort pour trader ce qui pourrait Ouh, ben arriver. voilà qui lui permet de tempo. Oh, tout à fait. Et méchamment tempo d'ailleurs, hein. Moi je pense qu'il doit. Il doit mettre son. Il doit oser mettre son ancien de la guerre. Et aller mettre les 6 dégâts. Son adversaire a une carte en main. Oui. Il cogne à 9. Je vois pas comment avec deux cartes il fera plus 10, hein. Non, non. Plus 10 et passer le taunt en plus, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et garder tout son board au mieux. Ça me paraît fort peu probable. Je crois qu'ici Amaury. Oh, il hésite. Voilà, donc comme à chaque fois Amaury peut ne pas se viander et il choisit de se viander. Amaury. N'a pas encore joué, hein. Ah, Si, si, il a c'est joué. fait. Amaury. C'est fait. Que fais-tu? D'accord. Amaury, 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 Ouais. Amaury. Là, faut faire attention. Allez, c'est parti. Va taper dedans. Évidemment, il va clean le board. Là, bien entendu, il a mis le régiment de bataille et ensuite la championne, hein, et pas l'inverse. Sinon, on se Oui, tue oui, de oui, oui. peur. Là, il a joué dans le bon ordre, évidemment. Et donc, du coup, attention, attention. 7, 7 et 4, 11, 11 et. Et 7, c'est passé. Du coup, taunt. Taunt, maintenant. Taunt pouvoir dans une des 1-1. Oui, voilà. Au cas où un autre attendant tombe, ça se met très très mal. Oh, me dis pas qu'il hésite là, quand Mais même. écoute, il est top deck. Il est top deck. Oh Tu sais non. qu'il me fait mal, hein, Moria, hein? Oui, Il me fait mal, là. hein? Il peut pas me faire ça à mon âge, hein. Non, je déconne. Je suis encore jeune et beau, mais il Mais peut pas oui. me faire ça. Tout à fait. Non, là, il n'y a pas à hésiter. Je pense, tu vois, qu'on lui a dit ça. Du coup, il hésite quand même sur des moves qui paraissent évidents pour. Ah ouais, mais on l'a déstabilisé. Ouais. Allez, joue défensif, Quid pro tu son peux. temps. Il veut qu'on mange à minuit, en fait, je crois, C'est Maury. ça. Non, bien sûr, on leur laisse le temps de jouer. Là, dis-moi que tu vas Ouais, c'est la trader finale, une hein. A1. La finale, il faut que ça se joue. Oui, c'est bon. Moi, ceci dit, il est quand même, il Au reste top deck. très très bien mis. Oh, Et qu'est-ce deuxième qui vient? J'ai pas vu, championne. qu'est-ce qui est venu? Une deuxième Deuxième championne. championne. Qui pourra pas jouer maintenant, mais. Oui, comme tu dis, qui. Ok, il préfère garder. Il peut la poser maintenant. Est-ce qu'il doit la poser maintenant? Peut-être, peut-être. Je pense pas que le druide ait quelque chose pour. Bon, du coup, maintenant la combo, ça fait combien? Ça fait assez, hein. Ça fait bien Apparemment. assez, oui, parce qu'il y a déjà 12 de base. Ah bah oui. Voilà, Tout à 1-0 pour fait. Amaury. Ah, Bien d'ailleurs, il faut que je remette joué. les résultats. Voilà, petite mise à jour du score. Amaury, qui est en bas de l'écran, Bien joué qui à marque le Maury. premier point. Et comme quoi? Tu dis toi, ah oui, t'as dit 3-1 J'ai dit pour 3, David Maury. Lepoulpe a dit 3, mais. Moi, je pense que ça va être notre ami Amaury qui va gagner. Tu penses? Oh oui. Je Tu penses pense que que c'est Malsan Malsor va. jusqu'au bout? Ouais. Mais tu sais que Jusqu'au bout. Malsor est quand même quelqu'un de pas fiable, hein. Malsor en général te laisse tomber pile quand il faut Mais pas, il va l'abandonner pendant la sortie des boosters. Parce que j'ai plus l'impression que c'est pendant la sortie des Ah boosters que oui! Malsor vient jouer. Peut-être pas sur les games. Bon, allez, ceci dit les gars, mais c'est vrai qu'Amaury,
s'en sort bien, entre guillemets. Ouais. Parce que ouais. ces mauvais plays ou ces non-optimisations de plays, on va dire, finalement ne sont pas sanctionnés. Oui, tout à fait, ouais. Quand en face, je sais pas s'il y a eu quelques erreurs de la part de Tyrannide, j'ai envie de l'appeler Tyrannide. Tyrande. Tyrande. Ah non, mais. Oh là 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 là, tu le diminues là. Je diminue un peu, oui. C'est bon, ça se lance. La prochaine partie. Donc le druide est validé. Il passe maintenant à son chasseur Amori. Et Tyrannide a aussi changé de deck. Il a pris son mage. Bon, est-ce que c'est bien ça? Drop 2, drop 3, drop 4, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Je pense que ça se garde, hein. Et Sadash qui regrette dans le chat d'avoir sorti son voleur. Dommage, hein, il faut faire des choix dans la vie. Oui, et puis ça reste un jeu. Oui, voilà. C'était un petit tournoi sympathique. Exactement, exactement. Bon. Et du coup, ici. Tyrande qui n'a rien à jouer pour le moment. Et est-ce que tu reconnais le deck au-dessus? C'est le mid. C'est le géant? Ah oui, on n'a Oui, pas la même vue, c'est pour pour ça. Tyrannide. Pour Tyrannide. Ouais, pour Oui, Tyrande. Ouais, je reconnais, oui. Donc il peut faire le boulot, hein, du coup, face à un chasseur qui peut infliger beaucoup de dégâts. Ça peut rapidement amener les géants de lave. tout à Il y a des. fait. Et. Ah tiens, bah, tu vois, moi là, j'aurais joué la hyène. Ah, J'aurais la joué hyène. la hyène. Ouais, tout à fait. Exactement pour ça, pour que ce soit la hyène qui se prenne l'éclair de D'accord. givre. Ah oui. Ben voilà, ben du coup, c'est le compagnon animal, hein, Ouais, qui est tout effectivement. désigné. Bon. Léoc. Peut être sympa, mais c'est mieux quand même d'avoir d'autres serviteurs sur le board pour s'en servir. Voilà, et puis je pense qu'ici, Amaury va Bon. repartir tout simplement avec un déchiqueteur. Et bah! Voilà. Le Tyrannide, lui, qui avance dans son deck tranquillou, Oui, tranquillement, tranquillou. il a pris des dégâts, mais c'est encore acceptable, on va dire. Est-ce qu'une métamorphose aussi sur un déchiqueteur pourrait être intéressant? Le Je me demande. problème, c'est que tu as pire que le déchiqueteur, tu as la grande crinière. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Amaury joue la grande crinière. Il joue aussi Docteur Boom, je crois, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourrait être pas mal aussi. Et là, tu vois. Ah. Pas de J'aurais trader. peut-être joué le glaive Zuka dans ce cas-ci, parce qu'il aurait pu D'accord. jouer la hyène avec. Enfin bon. Ouais. Il y a plusieurs possibilités ici. Tout à fait. Ça avance quand même, hein. Ouais. Amaury avance aux dégâts. Pas encore joué ces géants. Un petit crash vase pour ralentir. Il va se faire trader directement. Je pense que c'est encore la meilleure chose à faire, effectivement. Ok, ça va. Oui, c'est acceptable, on va dire. Et derrière, Est-ce qu'il. il repart avec. Oh ouais. Une arme. Il repart avec un arc. Il veut repartir avec un arc, alors qu'il pourrait. Allez, ok, va pour l'arc. Ok. T'aurais plutôt mis la hyène peut-être? Peut-être pas. Il y a le lâcher les chiens, tu vois. Oui, Et là, je qui me pourrait être dis, pas mal, oui, tout à fait. Yann lâcher les chiens, ça peut faire le boulot. Voilà, le Flame Strike règle le problème. Le tour prochain, les géants peuvent tomber. ouais. Oh. Oh, la combo jongleur, hyène et ch lâcher les chiens, ça fait Sauf qu'il n'y a mal. pas grand-chose pour le moment. Et non, face à un mage. Du coup, je pense que ça va être simplement des dégâts directs, hein. Il a ses deux pièges givrants en main aussi. Ils vont pouvoir lui être utiles hein, s'il y a des géants qui tombent. Oui, très d'ailleurs. Le problème étant que les géants, en général, quand ils sont rejoués, ils coûtent en général pas très très cher non Oui, plus. donc tu peux Donc. facilement les reposer. Et ça peut te faire tenir un tour de plus. C'était vraiment une Et mauvaise voilà. posture. Docteur Docteur Boom. Boom. Et du coup. Là. Il lâchait les chiens sur. Et aussi Docteur Boom. Est-ce que le Docteur Boom appelle le Docteur Boom? Mais le lâcher des chiens va faire grossir la hyène, hein. Oui, mais elle pourrait mourir. Sur des bombes. Ça À serait voir. vraiment ballot. Ce serait pas de bol, hein. Ouais. Ce serait vraiment pas de bol. Et puis qu'est-ce que tu ferais derrière?
Pourquoi, Amaury? Pourquoi, oui, pourquoi il hésite sur le Oui, bon. il va d'abord mettre ses 5 dégâts, ses 3 dégâts. Est-ce qu'il fait un lâcher l'éclipse? Que Alors, là, ça lâcher. va jouer aussi au niveau du jongleur du couteau avec l'éclipse. Ah. Pourrait taper dans les bombes, et il va le Oui. faire. Bon, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire d'autre. Oh, attention. Il faut se dépêcher un petit peu là quand même. Ouais. Ah, Ouf. oh, oh! Un dégât sur la hyène. Oh là 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 Et là, du coup, il faut lancer les chiens dedans, hein. là. Ouais. Et il a Lance le crié chien donc. dedans. Pouvoir et piège. Allez, on y go. Et du coup, ça active le bloc de Eh glace. oui, mais là, c'est extrêmement problématique pour Prince Tyrannide parce que du coup, maintenant, chaque tour, avec son pouvoir, il le met en situation de létale. Alors, Il a son il va deuxième se bloc de glace. soigner. Alexstrasza. Il va s'alextraser, mais 3. Aïe, 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 aïe. Faire attention. Ou alors, robot de soin. Et puis, Et quoi? et Bloc pour de glace. le bloc, hein. Ouais. Et du coup, voilà, le piège vivant, hein. Bien entendu. Voilà, et du coup, il va pouvoir cleaner un max de trucs. Et là. La hyène. Et par contre, il peut pas mettre son bloc de glace. Il a choisi de pas mettre son bloc de glace. Les 9 dégâts, donc il y a déjà 3, 6. Voilà. Huit. Un point de dégâts, et c'est terminé. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui Amaury nous a qui. fait, Tyrannide? J'ai pas compris. Non, là aussi, Pourquoi est-ce qu'il gros n'a pas. misplay. Il mettait Beaucoup son de chances de bloc. se sauver. Il avait un crash vase, il avait son bloc de glace, il avait Blizzard pour stopper aussi ce qu'il y avait sur le board. Bon, Oui, je sais pas ce qui s'est je passé. comprends pas parce qu'il pouvait potentiellement encore tenir le coup. Ouais. Du coup, c'est 2-0. Du coup, Amaury m'a sort jusqu'au bout. C'est fou. Écoute, mais là, j'ai Qu'est-ce envie de qui se dire, passe? Prince Tyrannide vient de nous faire un coup à la Amaury, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, terrible. Ah là 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 là. Plus d'un play méthode dans cette partie. Ouais, nous aussi. Peut-être est-ce la fatigue, je ne sais pas. On est en pleine semaine. Peut-être est-ce ça? Est-ce qu'ils ont eu une dure journée et qu'ils s'endorment à moitié sur le clavier? Je ne sais pas, mais. C'est pas impossible. Ouais. Le stress. N'empêche, c'est balle de match pour Amaury. Donc là, on échange un petit peu de deck. C'est Amaury qui passe sur mage et par contre Tyrannide qui Et prend je veux un pas dire, mais si paladin. Amaury gagne maintenant, on a le temps d'aller manger peinard, hein? Oui. Alors on va pas prier non plus les éléments hein, pour que Amaury Non, non, gagne. non, 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 non. Moi, je veux que Prince Tyrannide revienne. Je veux du spectacle jusqu'au bout. Ouais. Ça arrive hein, pour le moment. Les demi-finales, ça a été 3-2. Oui, Là, pourquoi si. pas aussi hein. Jusqu'au bout à chaque fois. Hein. Mais heureusement, ça joue vite. Qui a dit encore heureux? Mais ça joue vite. Et le mouton explosif, on est content de le voir venir là. Tout à fait. Ah, une personne qui ne connaît pas le. Comment on pourrait appeler ça le. Qui ne connaît pas Malsor. Ah. Quelqu'un qui connaît pas Malsor. Mais C'est oui, un impossible de. modérateur en plus du chat. C'est C'est trop con. impossible de ne pas connaître Malsor. Malsor, c'est le frère de Chansus. Voilà. Malsor, c'est notre papa. Est-ce qu'il a que c'est moi? Pas de la même mère, hein. Mais moi, je suis Ouais. affilié à Chansus, qui est le dieu de la carte bénéfique. Tandis que Malsor, qui lui est perfide et insidieux. C'est ça. C'est bien résumé. Enfin, ceci C'est bien dit, résumé. Prince Tyrannide, ici, il est quand même bien mis. Mori qui a une main bien velue. Tout à fait. Un crash vase. Fait repentir. Oh, Amaury qui n'est pas très content de cette action apparemment. Un jongleur de couteau en plus qui arrive. Est-ce qu'il va le tenter? Oui, il va le tenter. En plus, il peut pièce mini-robot si ça ne fonctionne pas. Oh, Oh là là. La oui, là, mitraillette. c'est la mitraillette. Hein. Aïe 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 aïe. Oh, regarde le Murloc qui tombe. Chef de guerre. Oh là 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 là. Tyrannide qui reprend le. Un petit peu le dessus là sur cette Qui a partie. dit Malsor? Qui a dit Malsor? Qui a dit Malsor, les amis? Ah, c'est pas fini, hein. C'est loin d'être Ouais, fini tout à contre ce fait. deck contrôle. Ah voilà, l'hospice.
Voilà. Là, pour le Et terminer, malheureusement. à moins d'avoir une chouette, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ah ouais, pas de solution. Voilà, donc tu ne fais rien, tu passes. Tu mets ton. Dommage. Oui, bon. Tu mets ton secret, puis c'est tout. Voilà, pour infliger quelques dégâts en plus. Mais Mais c'est c'est tout. tout. Et encore, il n'inflige qu'un point de dégâts. Il aurait pu avoir le vieux trouble-œil, hein. Oui. C'est vrai, c'était à Il aurait tenter. pu. Ou avec la charge aussi, ça aurait pu fonctionner. La charge de 1, parce Oui. qu'avec le buff, elle aurait été à Voilà, la 4. rédemption. Eh Bon, ça va se bien, faire ping, hein, certainement. ça va se faire ping. Et puis pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On met le bloc de glace, tout simplement. Ouais, le préparer, puisqu'on a 13 points de vie. On met le bloc de glace. Et il ne veut pas. Il se dit qu'il est peinard. Pourquoi pas ici? Amaury Voilà. a peut-être bien fait. Il peut-être se permettre d'attendre. Alors, ceci dit, quand même, 16 cartes à 19, ça avance chez Amaury. Un petit chat dans le gosier. D'ailleurs, je vais Oui. m'hydrater de ce pas. Vas-y, vas-y. Et dans le chat, hein, ils aiment bien t'embêter, on dirait, avec la nourriture. Bah écoute, il fait faim quoi. Ok, donc il va plutôt... Oui, moi je pense qu'il voilà, il doit aller tout de Ouais. suite. Trader cette gardienne des secrets. Exactement. Et poser Torii-san pour préparer toute la petite main là qui va bien être réduite. Prix combatif, est-ce qu'il va faire une différence? Il pourrait trade Torii-san avec, mais est-ce que c'est intéressant? Voilà l'adversaire mystérieux qui débarque. Et là, ça fait ring. Magnifique. Ok, donc Il va aux un bloc de dégâts. glace qui vient de tomber chez Amaury. Je remets bien Tyranide là. Ah, c'est dommage hein, parce qu'il avait eu un très très bon début là tout à l'heure. Très bon board. Oui. C'était totalement arrêté. Moutonnage. Il peut moutonner. Il peut moutonner. Moutonner, pinguer le mouton. Ouais. Mais son Non. mouton à lui. Oui, son mouton explosif, ouais. Et il ne perd pas, il perd pas tout son board avec ça. Et Alors par contre, oui, il il va pourrait attaquer trader ce qui est. avant. Oui. Voilà, moutonnage. Ah. Oui, il y en a un qui va survivre. Oui. Et rédemption. Sur le défenseur. Il meurt toujours d'habitude, mais là, le voilà. Écoute, c'est quand même pas mal, hein. Je pense qu'il fera pas mieux, Ouais. hein. Il fera pas mieux. Allez, mouton, ping mouton. Sauf qu'il garde Duplique. aussi son Oui, Torii-san, donc et ça c'est intéressant. dupliquer, dupliquer. Ah oui. On rappelle que si, enfin que les secrets évidemment ne s'activent que pendant le tour adverse. Donc c'est-à-dire que si c'est lui qui se sert de son Torii-san pour aller trader, il pourrait jouer derrière l'Extraza et ce serait éventuellement l'Extraza qui serait tradé, enfin qui serait dupliqué le moment venu. Oui. Voilà. Championne, hein. Il n'a pas réfléchi. Il a directement attaqué Ouais. Torii-san. On terminait. Il aurait pu aussi déclencher le bloc de glace. Il aurait pu. Ouais. Et ceci dit, ah oui, Flame Strike qui devient tout doucement nécessaire, mais Ouais. il peut. Je pense qu'il ferait quand même mieux. Alors, comptons un petit peu. 4, 11, non, 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 non. Je pense qu'il Ouh doit. là Il là là. doit plutôt s'extraser. Oui. Ah! Et puis, oui, voilà. Ok. Un petit ping. Mais il aurait pu, ce qu'il ne pouvait pas faire les deux. Et si, il peut faire plein de choses vu que tout est réduit. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Oui, maintenant il a même un bloc de glace pour 0 de points de mana. Rien que ça. Ouais. Tyrannide hein, qui tente le tout pour le tout. Ah oui, mais ça semble de plus en plus compromis pour Tyrannide, hein. Ouais.
Il déclenche quand même le bloc de glace. Et il a raison, ceci dit. Mais il y en a deuxième en main. Et il y a du heal. Et il y a du ward. Ouais. Donc là, il y a un flame strike qui finit tout. Déjà. Fait. Donc je pense que. Oui. Le heal, c'est Alexstrasza, c'est ça? Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un mystique qui arrive maintenant alors que Tyrannide a utilisé quasiment tous ses secrets. Là, je pense qu'il doit évidemment poser son bloc de glace derrière. Et il peut même. Voilà. Peinard. Il a même pas besoin d'écho de Medivh. Et je pense que pour Prince Tyrannide, c'est Gesine. Ouais, peut-être. Comment qu'il y a une rampante, je pense que. Waouh! Et finalement, donc Amaury l'emporte 3-0. Mes pronostics étaient complètement à côté de la plaque. Totalement. Moi, je dis complètement à côté de la plaque. Mais c'est du malsort à 100%. Et donc, toi, tu penses que c'est sur les boosters qu'il va souffrir alors? Il faudra qu'il nous dise. Ce qu'il aura eu. On a eu tout à l'heure quelqu'un aussi dans le chat qui a perdu au 8ème de pénal et qui a réussi à avoir une épique dorée quand même. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais, oh, faveur divine. Oula. Que ça peut changer la donne. Je pense pas. Même. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Oh, l'adversaire mystérieux. Ça nous regarde. Je vois quand même pas comment il s'en sort ici. Ouais. Il n'y a que le noble sacrifice qui reste. Et attends que le premier géant arrive. Bon, il va mettre le Kezan quand même pour rigoler. Bien joué. Oh, pas drôle. Voilà. Et bien joué à Amaury, hein. 3-0, il l'a massacré. Amaury. La game d'avant, on disait que c'était plutôt l'inverse qu'on attendait, mais. Oui, moi, je t'avoue que je m'attendais à ce que Malsor fasse une méchante queue de poisson comme ça. Et là. J'ai qu'une chose à dire. Wow. Ah, ça a été violent, ça a été dégoulinant ici. Wow. Ouais, tout à fait. Ça a été vraiment dégoulinant. Les amis, est-ce qu'on rejoint nos deux finalistes? Oui. Je les amène avec nous. Ah, ça a été trash. Et coucou Tyrannide. Et coucou Amaury. Ah ben GG à vous les gars. Ouais. GG pour les. Bah, vous êtes allés jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Moi, j'avais voté un retournement de situation, une intervention de Malsor qui aurait puni Amaury. Et Amaury, on a très peur pour toi. Parce que vu ce qui vient de se passer, franchement, j'ai envie de te dire, tu restes chez toi demain, voire pendant la semaine. Tu coupes le courant. Je dirais que c'est plus un Malsor qui m'a puni moi. Ah oui. Parce que la semaine dernière, enfin non pas la semaine dernière, dimanche, j'ai vraiment roulé sur mon adversaire et ça doit être. J'avais fait un 3-0 aussi, donc. Tu veux dire c'est peut-être pour ça. Tu veux dire que c'est une espèce d'instant karma, mais en version tournoi Hearthstone. Voilà, c'est ça. carrément. Et ouais, difficile, hein, malheureusement. Mais bien joué, du coup, Amaury. Hein, bah, merci beaucoup. J'ai mal joué pendant ces games. C'est dommage parce que si j'avais gagné ne serait-ce qu'un match, j'aurais sorti un deck démoniste poney. Ah oui! Pour la finale, je voulais sortir un démon spawné. Ça aurait été très drôle. Effectivement, ça aurait pu être très très sympa, mais bon, ici, une finale à sens unique, contrairement aux demi-finales qui est allée jusqu'au bout. Ouais. Oui. Mais bon, les gars, on s'est quand même bien marré avec vous. Sympa. J'ai envie de dire à Amaury ici qui a été impérial. Qui nous a surpris tout au long de la soirée. Ah, écoute, Amaury, t'as fait le spectacle, hein. J'ai essayé de me rattraper là de ma demi, qui était assez catastrophique. Le pire, c'est qu'il revient de la demi alors qu'il avait perdu. Oui. Ah oui. Ouais, alors. J'ai un repêché, moi. Oui, c'est ça. J'aurais dû prendre Skycraft. Ça aurait été plus simple. Et Amaury, nous, on pense aussi que. Enfin, moi, je pense que Malsor t'a béni là durant ces games, mais durant l'ouverture des boosters, eh bien, tu vas être pourri, je pense. Alors, tu nous diras. Moi, après. J'annonce 3 légendaires dans mes boosters. Ah oui, carrément, monsieur. Ah oui. Non, je plaisante, évidemment. Il en faut au moins une dorée. Rien que ça.